Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce lundi 28 mai 2018 au micro d'Onkayembe depuis Noc-Siri. Au sommaire de la revue de presse, point 1. Un axe est établi entre Paris, Kigali et Luanda pour empêcher Kabila à s'éterniser au pouvoir. Point 2. Kinshasa contre-attaque après la déclaration de Macron et Kagame sur la République démocratique du Congo. Point 3. Selon l'Organisation internationale de la francophonie OEF en sigle, il y a encore des doublons dans l'ordre de 0,34% et 16,6% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale, des chiffres qui poussent à émettre des doutes sur la fiabilité du fichier électoral de la CENI. Et enfin 4. Kabila s'est tourné vers la Russie pour une coopération militaire. Pourquoi seulement maintenant Et maintenant, voici le détail. Point 1. Un axe est établi entre Paris, Kigali et Luanda pour empêcher Kabila à s'éterniser au pouvoir. AFP titre. Emmanuel Macron reçoit lundi le président angolais Joao Lorenzo. Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à déjeuner son homologue angolais Joao Lorenzo en visite officielle en France, a indiqué l'Elysée cinq jours après la visite du président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame. Après cet entretien, les deux présidents doivent signer un accord, a indiqué l'Elysée, sans en préciser la nature, puis feront une déclaration conjointe devant la presse. Cette rencontre inquiète les autorités de la République démocratique du Congo, pays voisin où auront lieu en décembre des élections cruciales qui doivent organiser le départ du président Joseph Kabila, après le propos du président français soutenant l'initiative non dévoilée des lignes africaines sur la RDC soutenue par l'Angola. Les représentants de la France, de l'Angola et du Rwanda à Kinshasa ont été convoqués samedi par le ministre des Affaires étrangères à Kinshasa pour une demande d'explication sur cette initiative, a-t-on appris des sources diplomatiques la France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais, avait déclaré au sujet de la RDC le président français en recevant M. Kagame mercredi à Paris sans autre précision. Interrogé dimanche par l'AFP sur le programme des entretiens avec le dirigeant angolais, l'Elysée n'a pas répondu dans les médias rapporte AFP. Point 2. Kinshasa contre-attaque après la déclaration de Macron et Kagame sur la RDC. La RDC exige des éclaircissements sur la dernière déclaration du président Macron, rapporte l'agence congolaise de presse. En effet, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Chokitundu, a eu samedi un échange de vues tour à tour avec M. Christophe Allard, Roberto Cabongo et Mugara Amondi, chargés des affaires respectives de France, de l'Angola et du Rwanda en RDC, pour obtenir des clarifications sur la déclaration du président français Emmanuel Macron relative à une initiative du président rwandais Paul Kagame sur la RDC. L'agence congolaise de presse rappelle que le président Macron avait affirmé concernant la RDC que la France soutient l'initiative prise par le président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, appuyée par le président angolais Joao Lorenzo sans plus de détails. L'observateur s'interroge sur l'axe d'un nouveau complot contre Kabila. Pour Kinshasa, écrit le confrère, cette révélation faite par Macron à partir de Paris viole les règles diplomatiques universellement admises dans la mesure où la RDC pays concerné n'a jamais été au parfum. La question qui chatouille les esprits est celle de savoir la portée d'une telle initiative alors qu'à l'interne, presque tous les préalables sont remplis pour la tenue effective des élections à la date prévue. Dans le même registre, la prospérité se demande, alors que la dernière contrainte institutionnelle vers les élections du 23 décembre 2018 a été levée, avec la promulgation de la loi portant répartition des sièges par le président Joseph Kabila et que des avancées majeures sont saluées tant par l'ONU que par les sommets de la double Troïka sadek quelle serait cette nouvelle initiative parrainée par Paris de l'Axe Kigali-Luanda Pour Kinshasa, cette initiative annoncée depuis Paris par Emmanuel Macron en présence de Kagame et qui serait soutenue par Luanda est une grande inconnue. Kinshasa n'attend pas transiger sur sa souveraineté ni laisser entortiller le principe sacro-saint du droit international qui consacre l'égalité des peuples et surtout la non-ingérence dans les affaires internes des États. Point trois. Selon l'OIF, il y a encore des doublons dans l'ordre de 0,33% et 16,6% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Des chiffres qui poussent à émettre des doutes sur la fiabilité du fichier électoral de la CENI. L'avenir s'intéresse à l'audit du fichier électoral par l'OIF. Aucun indice de tricherie dans le chef de la majorité présidentielle constate ce journal. Devant la presse, la majorité présidentielle, à travers ses experts ayant pris part aux travaux d'audit du fichier électoral, estime que cette mission a accompli avec satisfaction ses assignations en offrant aux Congolais un fichier électoral inclusif, exhaustif, actualisé, mais aussi perfectible comme toute œuvre humaine. L'opposant Martin Fayoulou juge la conclusion de l'OIF des responsables et légère. D'après 7 sur cd le président du parti politique SID se demande comment les experts de cette organisation peuvent se frotter les mains avec 16,6 d'experts sans identité, soit 6 700 000 électeurs sans empreinte digitale. À ce nombre, il faut ajouter des électeurs avec moins de 10 empreintes. Donc, ils ont la possibilité de voter une ou plusieurs fois. Pour lui, les rumeurs qui avaient couru dans la ville, qui avait des privés avec des résultats d'enrôlement, commencent à se confirmer. Enfin, Point 4. Kabila se tourne vers la Russie pour une coopération militaire et pourquoi seulement maintenant RFI annonce ⁇ La Russie entame une coopération militaire avec la RDC ⁇ La Russie s'implante en RDC comme elle l'a fait en Centrafrique en entamant avec Kinshasa une coopération militaire. Pour ce faire, Kinshasa a exhumé cette semaine une convention de presque 20 ans et jamais mise en application jusqu'à maintenant. L'objectif à terme, c'est une coopération économique et commerciale dans les secteurs de mines, des énergies et de l'agriculture. Pendant deux jours, les députés de la Commission Défense de l'Assemblée nationale ont planché sur une convention de coopération militaire datant de 1999. Un texte qui prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et d'autres équipements spécifiques, des missions de conseil ou encore la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes. Le texte doit être prochainement examiné en séance plénière. Alors, pourquoi ressortir cette convention vieille de 19 ans À l'époque, le président Laurent-Désiré Kabila était en guerre contre les rebelles du RCD. Mais en arrivant au pouvoir deux ans plus tard, son fils Joseph Kabila a voulu une rupture avec son père et s'est alors ouvert avec l'Ouest, la France et la Belgique par exemple, en alliant un politique congolais. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pignoc City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique. À demain!